Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'incroyable été de Lelou. Et aujourd'hui, je vous avais dit que cet été allait être incroyable, je vais monter, non pas ce petit monsieur soleil que ma petite sœur a monté juste avant, mais je vais monter Espoir, que vous ne connaissez pas, que moi-même je ne connais pas vraiment puisque c'est la première fois que je vais le monter. Espoir, il est dans le pré juste à côté de celui des poneys, qu'il est dans le pré là derrière. C'est pas un de mes prés, c'est un autre pré qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais c'est le cheval du coup d'une dame qui attend un petit bébé et par conséquent elle m'a demandé de le monter, de le remettre un peu en route pour que après la naissance de son petit bout, et ben il puisse être opérationnel. Espoir, il a 6 ans. En vrai, j'en connais pas vraiment plus sur lui. Je sais qu'il fait à peu près 1m48, donc il est plutôt taille poney, donc voilà, il est ça fait un moment qu'il n'a pas été vraiment mis au travail. Il y a un monsieur qui est venu le monter plusieurs fois, qui l'a surtout emmené en balade, et Espoir a pas forcément été très très cool avec avec le monsieur, et qu'il l'a envoyé un peu voler plusieurs fois. Donc du coup je le reprends, je vais essayer de le travailler d'abord en carrière histoire de voir un peu comment ça se passe avec lui, et j'aimerais bien au fur et à mesure de l'été pouvoir aller faire des balades avec ce petit loup et en même temps avoir des copines qui montent soleil. Donc on va le chercher, on traverse la route, on est parti. Et je vous montre tout ça. Et me voilà parti chercher le petit Espoir. Comme vous voyez, vraiment, j'en ai de la route à faire. Je traverse une route et je suis arrivée. Alors par contre, j'ai un doute sur le fait qu'il y a un fossé. Non, c'est bon. Il n'y a pas de fossé. Hop ! Là, Soleil et Son Goku. Là, Espoir. C'est facile. Et voilà, je vous présente Espoir. Soleil, il est jaloux. Tiens, loulou. Hop, une petite carotte, deux petites carottes, comme ça on fait copain-copain. Ouais. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a toutes les robes qui sont représentées sur ma chaîne YouTube. On a les deux loulous qui sont venus en vacances, donc on a Palomino B, Sangoku qui est alzan crin lavé, Soleil qui est alzan brûlé, lui qui est alzan. Ma foi, c'est pas mal. On est. On joue dans la mixité chez les poneys de Lelou. C'est ça qu'on aime, nous. Voici Espoir, on va le préparer. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Hein. Il a été débourré il n'y a pas trop longtemps, je crois, si je dis pas de conneries. Donc bon, on va travailler gentiment. No te poesías, te cuentos, mi amor, yeah. El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah. Los dos amamos de más, enamorado de tu mirar y tú de otra. Porque eres así, ya sé, bebé, no sientes lo mismo. Lo mismo, lo que yo sentí pa' ti. Fue solo una noche más, nada más, yeah. Lo que es, pa' ti fue una aventura y yo, bebé, quería ser tu Romeo la última vez. Te juro que la última vez, yeah. Ser doble cara está de moda, el egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras, no dejo que eso siga. Prefiero un te odio más un te quiero que no sea de verdad. Estoy bien, eso es lo que digo, pero me duele si respiro. El problema no es que ya no haya nada, sino la verdad que nunca pudiste decirme. Yeah, yeah. Porque eres así, ya sé, bebé, no sientes lo mismo. Que me duele, se supone que estaba acostumbrada a tus traiciones, que nadie es como ella. Eso impone, te dan ese encontrar a alguien con tus mismas intenciones. Sé que la emoción que ha destrozado mi corazón lo irá a sanar, yeah. Solo hay que esperar. Prefiero un te odio más un te quiero que no sea de verdad. Bien, eso es lo que digo, pero me duele si respiro.
problema no es que ya no haya nada, sino la verdad que nunca pudiste decirme. Yeah, yeah. Porque eres así, ya sé, bebé, no sientes lo mismo, lo mismo, lo que yo sentí por ti. Yo fui solo una noche más, nada más, nada más, yeah. Une carotte. Ça va, ça a été mignon pour une première fois. Ouais, faut pouvoir s'habituer. Hein. Bon voilà, j'ai fini de monter le petit loup. Franchement, pour un cheval qui est vraiment très jeune dans le travail, assez vert et tout, c'était pas trop mal pour une remise en route en carrière parce qu'en soi, enfin en fait, je crois bien qu'il a peut-être même jamais vraiment été en carrière à part lors de son débourrage et depuis, c'est full balade pour lui. Donc voilà, franchement je suis contente. Moi il va falloir que je m'habitue à monter un cheval qui est bien plus vert dans le travail que soleil. Ça va me faire aussi du bien de monter régulièrement un autre poney que le mien, parce que bah forcément quand on monte toujours le même cheval, on finit par prendre des mauvaises habitudes, des petits défauts et tout. Donc ça va me permettre de les corriger, donc c'est cool. Et puis voilà, franchement non, c'était sympa. Dans tous les cas, on n'a pas fait très longtemps parce qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est juste pas possible. Et du coup, comme je suis arrivée au moment où ma sœur descendait de soleil, puisque je travaillais jusqu'à 18h, je viens dire bonjour à tout mon petit troupeau. Ils sont trop mignons, ils sont trop choux. Franchement, ils s'entendent à merveille. Dès le lendemain de l'arrivée de Héroï et Berlioz, ils étaient tous les quatre dans l'abri. Franchement, ils s'entendent tous super bien. Du coup, là, vous voyez, il y a Héroï qui broute. Et là, il y a les trois, ils font les daltoniens. Berlioz au fond, Soleil et Sangoku. Donc c'est cool, je vais leur donner une petite carotte chacun, c'est que des mecs. Et puis voilà, tiens Loulou, celle-là elle est pour toi, et on va voir les autres. Celle-là, c'est la toute petite de Kiki Nounamour. Ouais toi je te donne la plus grosse quand même, parce que t'es quand même le roi soleil quoi, faut pas déconner. Et Berlioz, voilà. Tout le monde a eu sa carotte. Et comme je vous dis qu'ils s'entendent vraiment bien. Genre voilà quoi, ils sont collés serrés, il n'y a aucun souci. Après en même temps d'un côté c'est que des ongres. Donc bon, ça va. Soleil reste le dominant du troupeau parce que bah, clairement c'est chez lui, c'est sa maison. Sangoku c'est son petit frère, il le protège à tout prix. Mais ça se passe super bien entre tous. Donc c'est trop cool. Franchement je suis trop contente. Ça va être deux mois sympas pour eux avec des copains. Tout ce petit monde se porte du coup très bien. J'ai fait le plein d'eau au niveau de Sangoku puisque lui il a un seau par terre parce qu'il est trop petit pour atteindre l'abreuvoir quand le niveau d'eau n'est plus au maximum. Donc je l'ai rempli son petit seau personnel de petit Shetland. Et voilà, maintenant il est temps de rentrer à la maison. Franchement ce beau temps il fait tellement plaisir. Oh là là, je suis un véritable tournesol moi, dès qu'il fait beau je vais bien. Même si je vais pas bien, quand il fait beau je vais bien. C'est pas compliqué, c'est qu'il me faudrait du soleil toute l'année et je n'aurais plus aucun problème dans ma vie. Franchement, le moral, il est au top du top. Bon allez, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.